C'était. Ça va concilier avec le lieutenant Anderson. Lol. J'ai pas de problème avec lui, c'est lui qui a un problème avec moi. Ouais, ça va. Écoute, j'ai un tuyau de biodin pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un boulet carré. Une pouliche rapide comme l'éclair. Tu veux participer? Ouais, ton dernier tuyau de gueudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ouais, c'est ça. Merde, scanner. Chier. Ok, j'accepte. RT. Pedro Abdar, sans emploi, casier judiciaire Paris, illégaux, fraude. Je peux pas scanner le chef. C'est cool. Oh. Hey, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, waouh. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, Cheb. Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein? Ils sont forts, hein? Ah! Viens là, toi, je te scanne. C'est jamais. Chef d'entreprise, casier judiciaire, refus d'obtempérer, violation des règles d'hygiène. Et voilà. Je sais pas si je vais vouloir manger. La dalle. Merci, Gary. Il y a autre chose? Ah, j'arrive pas à scanner la bouffe. N'est-ce pas ce truc ici? Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois? Hop hop hop, tu devrais pas manger ça là. Fréquentation. Je ne veux en aucun cas vous alarmer, lieutenant. Mais il me semble que vos amis s'adonnent à des activités illégales. Tout le monde a sa petite combine pour joindre les deux bouts. Mais ils font de mal à personne. Je les laisse tranquilles. Mm-hmm. Habitude. Vous mangez souvent ici? Presque toujours. Gary fait les meilleurs burgers de Détroit. Mm-hmm. Parlez de Connor. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence, ainsi que ma voix, ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? C'est lui qu'on a vu dans Jericho.
Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus ? Que vous êtes un bon élément. Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. Oh, clin d'œil ! On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, en cas de besoin. Oh la vache, j'ai gagné en estime de ouf. C'est le même modèle, mais pas le même Android. Connor, t'as les batteries à plat ou quoi ? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour CyberLife. Ah. Mmh. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Hein ? J'arrive tout de suite. J'adore cette complicité qui est en train de naître. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Hein. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin... Les plumes de pigeons bisets composés de différents... aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on... doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Je défonce la porte. Oh. Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi. D'accord. Oh. Les appartes miteux, quoi. QTE ! QTE ! Let's go ! Avec la musique comme ça, c'est QTE. 100%. Ah, je vais lire un petit peu. C'est un suspect qui se barre. Attendez, j'ai un bouquin à lire. C'est bon, j'ai fini ma lecture, je peux aller chercher le témoin. Un peu chelou quand même la décoration. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Ouais, des pigeons ! C'est pour vrai, ça pue ici ! Ah, j'adore faire ça ! Ah oui, encore ! On s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. Yeah ! Il y a rien à l'infini ou quoi ? Ah, il y en a plein ! Combien ? Il y en a bien ? Dégagez les pigeons. La culture avant l'enquête, tout à fait. Suspect ne mange pas. C'est pas parce qu'il y a rien que. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Mais ils reviennent encore les pigeons. Dégage. Suspect aime les animaux sauvages. D'accord. Vêtements militaires. Veste militaire. 10% de fibre. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Mm-hmm. Ou c'est un androïde. Permis de conduire. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là.
pour rien. La LED. Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde où aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pile. Sans bleu. Jean. R9. C'est Ralph. On a trouvé R9. Tu sais ce que ça veut dire ? R9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de labyrinthes. Écriture obsessionnelle convulsive. Tabouret, déplacé récemment, trace d'excréments d'oiseaux. Un sur deux. Marqueur ouvert, encore humide, utilisé récemment. Ton envie de minuit, noir. Merde, reconstitué. Fuck. Non. Moi qui pense. Moi je peux le faire encore. Oui. J'ai merdé. Il a raté un truc super important. Le suspect était ici récemment. Comment il a glissé cet abruti? Le suspect a couru dans le salon. Ah, il était debout sur le... Il est parti en courant, c'était ça le bruit qu'on a entendu. Tout le monde est passé. De papier et finis les pages qui jaunissent. Ils sont tous revenus. T'as aucune idée. Énorme. Quoi je parle. Il va être dans le placard, je pense. Affiche pour une ferme urbaine. Point d'affiche, 100% papier recyclé, déplacé récemment. Des graines. J'arrive pas à le croire. Ce taré donnait à manger à ces vermines. What the fuck? T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Ah, il y a des traces d'humains. Traces de doigts récentes. Traces d'extrêmement d'oiseaux, pas d'empreintes. Ah. Rayures récentes, traces d'acier galvanisé. Crochet métallique cassé récemment. Il va voir qu'il va être dans le placard. 100%. Ah, il y a un plafond. C'est fou. Masquer le suspect. Oh, mettez pas votre musique comme ça. Attendez, je suis sur une épreuve là. Il faut que j'arrive à faire cette QTE. C'est bon.
100% vodka recyclé. Salopée de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! Attends, il y a des touches. Mais cours! Pardi! C'est quoi, RT? RT. What? Rapide, mais risqué. Let's go! Ouais, par là, par là. Détour prudent. Hey, je cours plus que lui. Aïe. Poussez-vous, police. Police. Motte. Mais bon, des. Vas-y, on va essayer là. Qu'est-ce que vous faites? Merde. Ah, je vais tomber dans le vide. 100% ça, je vais tomber dans le vide. Obligé. Pas laisser honte. Merde. Oh merde. On le tenait. Putain. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Hé, hey, Connor. Non, rien. Merci. Même pas de merci. Puisque c'était la politesse. Oh là, oh là. Wesh. Allez, alors. Parlez à Hank, rejoindre Hank. Parlez à Hank, 98%. 45%, mettre Hank en garde contre ses amis. 83% examiner les plumes, l'ailleurs extraordinaire, lire le livre, 82%, tout le monde a fait comme j'ai fait en fait. Ok.